La Liga, on va attaquer aux choses sérieuses. On va passer 2 jours et 1 nuit sur un glacier qui a jamais été fait par quelqu'un auparavant. Là, il faut m'écouter et il faut savoir que un glacier, c'est vivant. Les glaciers où on va monter avancent 3 mètres par jour. Et quand un glacier avance, il y a des crevasses qui se forment. Des glaciers peuvent être jusqu'à 300 mètres en épaisseur. Ça veut dire des crevasses peuvent être 300 mètres profonds. Et dès qu'on tombe plus que 20 mètres dedans, de toute façon, on sait qu'on est foutu. Je vais vous apprendre comment marcher avec les crampons, comment utiliser du piolet, comment sauver quelqu'un qui a tombé dans une crevasse. On va mettre les tentes. On va faire à manger. On va manger de la même manière que j'ai mangé au pôle sud. Dernière fois qu'on voit le bateau avant 2 jours. C'est très important de faire attention à chaque pas. Personne doit tomber dans les crevasses. Si on tombe là, la mort c'est presque assuré. Ça va être très très dur. Là on est très souriant, on est très content, mais dans 10 heures ce sera pas pareil. Pas pareil, non. Je pense que vous êtes capable de le faire. C'est pour ça qu'on essaye. Avec les mêmes matériels que j'ai utilisés quand je traversais l'Antarctique. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. En descendant, on baisse un peu la centre de gravité et puis on marche plutôt comme des canards, comme ça. Comment tu le sens, Julien? Franchement, on verra. On verra ce que ça donne. Regarde là déjà, ça commence. Waouh! Incroyable! Ah bah là, tu tombes là-dedans, c'est fini! Tu remontes plus jamais! Bon là, ça y est, c'est parti pour le début de l'expédition. Je sais vraiment pas ce que ça va donner à la fin, on sait pas vraiment ce qui nous attend. Je me suis un peu entraîné avant ça, mais là, c'est la première fois véritablement qu'on est sur un glacier, ça change tout. Il y aura les crevasses, il faudra grimper. Et ce soir, on va faire un campement. On va survivre véritablement en plein cœur du glacier. On se fera à manger. Bref, ce sera vraiment une expérience unique ici, au Svalbard. Il passe diagonale. Il part par là. Ok, donc là, on est dans la partie tutoriel aussi. On vient d'arriver dans le glacier, mais on est en train d'apprendre en même temps. Essaye de bien planter sur les orteils. Chaque coup est bien planté. Fais confiance à vos pieds et il faut faire gaffe que tu ne tords pas les chevilles. Si moi je veux sauter de là à là, toi, absorbe bien et puis on part avec les pieds joints. Ok. Comme ça. C'est long, mais tu ne dois pas faire un croche-pied. Non, ouais. C'était limite là, hein. Là c'était la crevasse. En fait, il faut tout le temps sauter. Il y a des trous partout. Donc là, quand ça va devenir un petit peu plus musclé, je vais avoir besoin de mes bras, je vais avoir besoin de mes jambes, de mes crampons. Donc je serai en caméra embarquée comme ça. Parce que pour le moment ça va, mais on risque de tomber sur des crevasses beaucoup plus grandes. Et il faudra sauter par-dessus quoi, donc pas le temps de niaiser. Hein. Regardez, il faut jamais se fier au sol qui sont blancs comme ça. Parce que regardez comment c'est en dessous. Si Max met ses pieds ici, il tombe dans la crevasse directe. Donc là, il y a Mike qui l'attend. Vous avez vu? Quand c'est blanc comme ça, c'est de la neige. Génial. Bravo Max, t'as survécu à
On va péter à bord, ouais. Pourquoi il y a des poussières comme ça dans l'eau? Ça pourrait être des molécules de pollution qui tombent des airs. Il vient de dire qu'on pouvait la boire, mec. Mais là, on dirait plus que c'est genre le vent qui aurait soufflé des montagnes, le sable des montagnes latérales. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une couleur foncée, donc soit les molécules de pollution ou de la poussière qui se pose sur la surface blanche de la glace, bah, ça attire beaucoup plus le soleil, une couleur foncée. Ah, ouais. Et donc, il y a ces agglomérations, puis partout où il y aura des taches foncées, bah, on trouvera souvent de l'eau, parce que c'est là où le soleil vient prendre la glace plus rapidement. C'est pour ça que c'est aussi un problème pour les glaciers d'avoir des pollutions dans les airs, parce que ça peut avoir un effet sur les glaciers, même dans les endroits où il y a peu d'activité. Aux courbes brutes et tranchantes, les glaciers nous semblent bien menaçants. Comme une garantie de ne jamais revenir. Perdus dans un monde isolé et inhabité. Pourtant, cette glace prisonnière depuis des centaines d'années est au cœur de notre écosystème. Véritable réservoir d'eau douce, le glacier vit et se déplace, laissant derrière lui des sédiments et minéraux essentiels pour maintenir la base de la chaîne alimentaire marine. Malheureusement, c'est aussi l'un des endroits les plus sensibles au réchauffement climatique. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que l'ensemble de la planète. Les glaciers sont poussés vers une fonte effrénée, un réchauffement qui les empêche de se renouveler. À l'échelle du monde, ce sont des milliards de tonnes d'eau douce qui se déversent dans les océans, sans aucune régulation. D'ici 2100, les glaciers pourraient perdre 80% de leur volume, privant d'approvisionnement en eau les 2 milliards de personnes qui en dépendent, et laissant toute une partie de la planète affronter la montée des eaux. Il est désormais primordial de préserver nos réserves naturelles. Ça, c'est beau. Ça. L'eau là c'est bon. L'eau là c'est beau. C'est pur. Tu peux boire ici. Imagine, t'as plus d'eau. Dernière solution. Alors? Elle est trop bonne. C'est vrai? Ah, je vais goûter. Ça c'est en survie ultime. Quand t'as plus rien. Quand t'as plus d'eau sur toi. Waouh. On vient de tomber sur un véritable petit lac. Alors cette eau, je peux te dire qu'elle doit être pure. Hein. Ce qui est super impressionnant, c'est que la glace est toujours en mouvement. C'est-à-dire que le glacier bouge. C'est pour ça que parfois on peut apercevoir des grosses chutes de glaciers, mais surtout là, comme on est dessus, on entend craquer, un petit peu comme de l'orage, on entend vraiment un bruit sourd. On a l'impression que parfois la foudre, elle tape pas loin. Et il faut faire gaffe, vaut mieux pas être sur un morceau qui s'écrase. Wouh. C'est bon, je suis pas allé. Je croyais que t'avais brisé. Waouh, tu tombes là-dedans, mec. T'imagines? Je me dis qu'en dessous, on n'a jamais été au fond de la crevasse, mais ça se trouve, il y a, je sais pas, un parc d'attraction ou un centre commercial, non? Je sais pas, en fait. Bon là on voit plus du tout l'océan, on commence à monter. Je me suis fait un trou à mon pantalon. Oh, j'ai un courant d'air. J'ai une petite brise d'air frais. En fait le corps humain il n'est pas du tout adapté pour survivre sur un glacier. Il faut vraiment un équipement de malade. Il faut tout porter sur soi. Campement au complet, la nourriture, les outils. Et ça, tout est dans la luge là que vous voyez, là, genre de polka. Ça pèse une tonne. Et encore là, on est beaucoup. Mais imagine Mike,
quand il est tout seul, il porte tout. Ça doit être une galère avec les crevasses, tout ça. Là, je l'ai porté 5 minutes, je suis KO. Pour l'instant, on disait que c'était vraiment du pur plaisir, quoi. En vrai, c'est ça qui fait galérer quand même. Putain, c'est dur. Mais ça, c'est rien, je pense. Ça, c'est le début. Bien le bonsoir. Bienvenue sur mon petit glacier. C'est ici que je vis, voilà, entre les crevasses. Vous avez vu celle là-bas? Pas mal, hein. Oh, là, on a une pouca qui glisse. On a encore des kilomètres à faire, là. Ouais. Avec des poulkas. Ah non, c'est l'enfer. T'imagines que Mike, il fait tout seul avec une poulka de 250 kg, tout seul. Et là, on est quoi? On est 10. Hey, t'as laissé tomber la poulka. C'est pas grave, regarde. Il s'emballe. Moi, je filme et tout, mais par contre, quand j'ai pris la poulka, waouh, c'est lourd. Ça m'a arraché le bras. C'est vrai que quand on la porte, ça devient vraiment physique. Je sais pas combien elle pèse. Je sais pas, 60, je dirais. 50, je sais pas. Bah, tu le sens passer, hein. Franchement. Petite pause. Alors, il y en a qui mettent du gaffeur sur leur pantalon. J'ai déchiré mon pantalon avec les crampons, c'est le truc le plus habituel. Bon, là, c'était la petite pause snack. Super important de boire et de manger, bien s'hydrater, de manger des protéines, du sucre. Et là, on va repartir pour une paire d'heures. Donc, on se fera une petite pause toutes les 3 heures. Vous attendez l'hélicoptère de secours, vous aussi? Moi, je suis parti à la dernière expédition, en fait, avec Mike, c'était en 2008. Et j'attends. Vas-y, Gouigoui, on y va! On continue de marcher. Ça fait plusieurs heures là qu'on a commencé. Et là, ça commence à bien attaquer. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien pentu quand même. Donc on lâche pas, on garde le rythme. Donc là, on va faire le petit campement. Camp de base, parce qu'après ça risque de bien attaquer. Qu'est-ce que tu veux comme emplacement, toi? Ah, je voulais choisir, hein. Vous êtes en supériorité, là. C'est un peu comme à la braderie. Maxime, t'as trouvé notre emplacement? Pas du tout. La référence. Non. Mais ils avancent beaucoup trop vite en face. Je pioche pour trouver de l'or. On monte le camp. Right. Je fais semblant de travailler là. Là, c'est ça. Ah ouais, toi, tu creuses carrément. Ben, j'ai fait que je fais comme Mike en fait, j'ai pas de. Fais ça. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu l'as fait ça. Ouais, mais là, tu fais un trou. Stop. Elle est morte. En fait, il a planté une tente et planté une tente dans un glacier. Et c'est pas le même niveau. Ça paraît pas comme ça, mais la glace elle est tellement dure qu'on peut pas creuser dedans. La mouline est folle. Ok, donc ça permet vraiment de planter un trou dans la glace facilement. Bah voilà notre hôtel. Waouh, on va être collé, hein. Ouais, mais il va avoir chaud comme ça. Now see you tomorrow. Si je fais un prout, tu vas bien le sentir. Là, tu vas pas y échapper. Qu'est-ce que tu penses de notre tente? Écoute, vous êtes des pros, hein. Ça fait maintenant 2 heures que... Et les filles, ils sont ready à 3 minutes. Salut Étienne. Vous dormez déjà ou bien? Ouais. Ah, on teste. Mais là, on se réchauffe un peu avant d'aller en mission pipi. Parce que pour les filles, c'est un peu plus compliqué. En comparaison? En comparaison. La normale, celle-là, Julien. Voilà. T'as mal choisi l'endroit. Vous m'avez abandonné. Pardon, mais c'est un rabat qui me tente. Franchement, Julien, on va t'aider. Allez, je vais me chercher un petit piolet. Ça,
c'est du grand Mendes. Et ça tient? Bien sûr ça tient. Oh bien merci Cyril. Regarde. Regarde cette technique, ça c'est camping en 2-3. Pour enlever, tu te touches là. Oh. Oh là là, cette technique en bas. C'est technique. J'allais dire, tu pouvais pas nous montrer ça dès le début? Waouh, c'est trop bien. La tente là, j'ai utilisé pour la traversée de l'Antarctique. Et ça c'est copie-collée de la tente là-bas. Et les trois tentes là ont fait Australie, l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et ici Svalbard. Regarde comme Juju il va bien dormir là-dedans. Après 4 heures il a mis sa tente. La petite matelas de mousse que je lui ai donnée qui fait seulement 2 cm d'épais. Tu vas geler les couilles ce soir. Ah, tu vas nous faire un petit thé là? Je prends un peu d'eau. Ouais. D'eau fraîche du glacier. Et après, au réchaud. Au réchaud. On a pris plein de thé, plein de café. Cool. Comme ça, on se réchauffe. Avec un petit sneaker. Exact. Voilà! Je vais recommencer à l'intérieur. Et la technique, c'est là il est chaud, tu le mets dans tes habits, que ça c'est bien chaud, c'est une bouillotte un petit peu. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce repas? Très calorique, très très calorique, mais très bon. Et du bien. Il fait grand froid, un truc chaud dans l'estomac. Tu fais ça pendant 40 jours? Je pense que c'est chaud. Là, c'est marrant, on se marre et tout, mais tu fais ça pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Waouh, c'est chaud. Là, c'est 20h30 et puis il y a toujours du brouillard. On ne peut plus monter parce qu'on ne voit pas la montagne. Ça veut dire qu'on va au lit. On va se réveiller 3h30 et puis après on va décider si c'est mieux de monter ou de descendre. En bas, il y a 2 ou 3 petites crevasses que j'aimerais bien d'escalader et escalader avec les piolets et les crampons. Soit on monte, soit on descend, mais l'aventure est assurée. Franchement là, il commence vraiment à faire très très froid. Ah ouais. Puis là, comme on n'est plus forcément en mouvement, on se refroidit de fou quoi. Bernard et moi. Ah, vous êtes 3 là-dedans. On est 3 là-dedans. Ah, vous êtes sérieux? Ah, aussi, vous êtes bien. Mike, on te donne celle-là et on prend la tienne. Ah ouais, volontiers, parce que... Mais après, il faut dormir avec sa chaîne, hein. Ah, voilà. Bon, nous, on n'est pas peu fiers. On va jamais rentrer là-dedans. Tu vas les entendre. Va te coucher, crapouillot. Merci. Allez, Maxime, au lit. Ça va, vous deux? Ouais. Ah, on est nickel, là. On a fait un feu. Oh, le réveil, il va faire mal, quand même. Oh, c'est dur quand même le sol. Ouais, le sol, et on est un peu on est bien en pente là. Regarde ce que j'ai pris. Oh, mais c'est le muc. T'es tringale dans la nuit, hop là. Si t'as envie de faire caca, il y a juste. Il n'y a pas moyen. Si, y a là, moyen, tu peux pas. Mais c'est un combat quoi. Mais c'est t'as vrai. Du PQ. Ouais, bah oui. Ah, t'en as du PQ. Ouais, juste là. Ah ouais. Enfin, t'as à me réveiller. Pour toi, faire caca, c'est passé sur moi. T'as du PQ. Il fait froid. Et on se retrouve dans quelques heures à 3-4 heures du matin. Et bonsoir. Un gros polar bear qui adore, qui nous adore. Waouh! What the fuck? Waouh! On est au-dessus des nuages.
Ah, c'est le matin qui pique. Mais je pensais pas qu'on était si haut là, mais vraiment au-dessus. En fait, on voit bien, là, on est dans une pente. Et moi, j'ai glissé avec mon sac de couchage. Du délire. Comment s'est passée ta nuit, crapaud? Super bien. J'ai ronflé? Ouais. C'est possible. Et nous, il y en a qui ont ronflé? Ouais. Si tu sais pas qui c'est qui a ronflé chez toi, c'est toi qui a ronflé. Bonjour tout le monde. Regarde, il fait grand beau. Et notre bateau est dans ces brouillards épais en bas. Le brouillard arrive de là-bas et puis on profite. Ouais, on profite du premier moment de soleil. C'est seulement 4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe là, Mike? On attend un peu les autres qui arrivent. Il y a pas mal de crevasses ici. Je dis que faut pas trop s'éloigner. Bon, on continue d'avancer vers la montagne. Il commence à faire chaud là. Là, ça chauffe un peu. Il commence à y avoir de plus en plus de grosses crevasses. Donc ensuite, on va essayer d'aller un petit peu dedans. On va faire du rappel, on va y aller à la pioche. Pour le moment, on continue de marcher. En train de planter des vis à glace là-dedans. On va faire une petite cordée et on va descendre dans cette petite crevasse 300 mètres là. Je n'ose même pas regarder. Tu la sens comment, Julien? Ah, ça va. Nous, on va faire du mieux qu'on peut, quoi. On plante des vis et tu seras rattaché à ça. Là, mais là, tu sais qu'il y a vraiment 300 mètres en dessous. Là, c'est plus du YouTube. Là, c'est plus du fit and fun. Fit and death. Et je suis assuré par deux débutants qui n'ont jamais fait. On est une team. Regarde, il arrive même pas à mettre une vis à glace, comment tu veux? On a fait beaucoup de premières fois ensemble. Regarde la spaghetti. Mon dernier glaçon avant de mourir. Là, on va mettre en sangle, accroché, tu le passes, après tu le passes en lui-même. Fais une petite boucle. Ça, c'est une bonne boucle. Et là, on attache du double, comme ça, qu'on a un point de tir. On lance la corde dans la crevasse et là maintenant on peut passer notre poulie. Là toi Cyril, toi tu vas descendre dans la... Dans une crevasse, mais vachement profond. Là, il doit faire 300 mètres. On joue plus. Là, c'est des sérieux. Et puis, tu dois essayer de remonter du paroir des vies, qui est à 90 degrés de cette crevasse, avec des crampons et des piolets. Et je pense que ça Max, peut le faire. Il fait un boulot qui est très important. Il fait les points d'assurance pour toi. Tu mets ta vie dans les mains de Max. Tu es sûr de ça, Max? Oui. Moi d'habitude en escalade je monte du 4A, du 4B, du 5A, mais là... Bon, donc là le but c'est vraiment de simuler une chute, donc on va aller vraiment dans la crevasse et on va remonter à force des bras et des jambes avec les piolets et les crampons. Il y a le brouillard en plus qui arrive, donc il se peut qu'on soit dans le brouillard le temps que je sois dans la crevasse, ça va être terrible. Ok, maintenant à toi, tu es prêt? Bref, comme d'hab quoi, c'est un peu freestyle. Ok, vas-y. Ah ouais! Ouh. Là, c'est une vraie crevasse, Mike! Ça va ici? Hey, il fait un peu plus frais en plus. C'est bien, hein? Ah, franchement, c'est pas mal. Tu veux descendre ou pas? Attends! Comment ça va, Maxime? T'as l'air super concentré. Ta gueule! Il a combien de mètres là? Ah, il a une dizaine de mètres déjà. Et puis, des crevasses deviennent noires au fond. C'est tellement profond. Et puis, il n'a pas encore salé son pantalon. C'est bon. Cyril, encore un tout petit peu plus profond. Ah, t'es arrivé au fond? T'es arrivé au fond de la crevasse? Toi, tu vas monter avec les crampons, les piolets contre les parois. Ok.
Chaque fois quand tu montes, il va avaler la corde. Comme ça, tu es toujours un peu en tension. C'est bon. Après, tu fais plein d'extensions avec tes jambes. Voilà, ça c'est bien, t'as un bon assureur ici en haut. Tu grimpes bien. Je suis un bon assureur, je suis MMA moi. Oh bravo, putain! Il y a beaucoup de mou, vas-y, avale. Ah. Ouais! Bravo! Ah. Bravo, Sylvie! Wouh! Ça tue les jambes! Ça met! Les années de Call of Duty, voilà ce que ça fait. Ah, ça, c'était pas une petite crevasse. C'est pas une crevasse. Ça, c'est fat. Ok, maintenant, c'est Julien qui descend. C'est plutôt beau par ici. Encore un peu. Encore. Le retour. C'est trop physique. Alors, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu as réussi à regarder le fond? Oui, bien sûr. Ouais. Ça va. Tu te sens bien quand même. Mais par contre, c'est physique. C'est trop physique. J'ai fait 5 mètres, je suis mort. Ok, maintenant Max, il va descendre. Allez, maintenant. Et puis après, on va demander à Cyril de t'assurer. T'es plutôt confiant si je t'assure? Ouais, tu regardes bien ce que dit Mike. J'ai fait de l'escalade en UNSS. C'est quoi ça? L'option sport. Ah, super, bah c'est bon. Ouais. Bon, Max, à partir de maintenant, j'ai ta vie entre les mains. Une fois que tu seras au fond de la crevasse, je te demanderai ton mot de passe. Google, évidemment. Si pour que tu sois plus concentré, tu veux que je te le donne maintenant, je te le donne maintenant. Hein. Là, c'est à toi. Ok. Super. Je vais là, là. Ouais, dans le trou, c'est ça que vous voulez que je fasse. À toutes. Oh. C'est quoi cet assureur? Voilà, oh ça c'est nickel. Là. Yep. J'utilise bien les parois derrière. Ton mot de passe, Maxime, maintenant. Le brouillard arrive. Je ne vais pas pouvoir rester ici longtemps. Je laisse encore 2 minutes à Maxime avant de partir. Tension. Je suis tendu, je te dis. La corde elle est tendue comme jamais. Elle est tendue comme jamais. Hein. J'avais déjà pas envie de tomber dans une crevasse. Mais maintenant que j'ai vu ça, laisse tomber. T'as l'impression que ça s'arrête jamais. Bon, t'en as pensé quoi alors? Ah, moi je suis fier de mes élèves. Mais regarde, y aller déjà dans une crevasse où tu vois pas du fond et essayer de monter si t'as jamais fait. Il faut avoir des couilles. C'est la fête nationale suisse. C'est parti. 1, 2, 3. C'est le premier round. Le premier round. Mike, on fait notre deuxième raclette pour la fête nationale ou bien? Ouais, ça c'est sûr que... Ouais. Et première route, c'est raclette sur un iceberg. On y va trouver l'iceberg. Faut qu'on court sur le bateau maintenant. Ouais. Et c'est le camp qui disparaît! Où est-ce qu'elle est notre petite maison? Je l'ai déglingué! Allez, on va tout rembarquer! On va apprécier un dernier instant ce décor. Sur le chemin du retour, donc là on va retourner au campement, on va tout désinstaller et on va retourner au bateau après cette belle petite excursion.
direction le brouillard. Je sais même pas si vous voyez, mais regardez là, on voit un peu et c'est Julien là-bas. Allez, on a de la marche. C'est parti. Un inconnu dans le brouillard. Est-ce que tu as une quête à me proposer? T'es un PNJ? Bien le bonjour, messieurs, dames. C'est tout. Et est-ce que t'as la rêve si je fais... Non. Warzone. Le gaz. Ah, le gaz. On est dans la zone. On n'a plus aucune visibilité, on commence à se perdre un peu. Donc heureusement, on peut se repérer un peu avec les montagnes autour de nous. Mais là, le problème, c'est qu'on est vraiment dans des crevasses, en fait, comme vous voyez. Donc là, on a vraiment de la glace. Sauf que là, ça, c'est de la neige. Et en fait, la neige, généralement, bah, elle recouvre les trous. C'est juste un tout petit dépôt. Ce qui fait que si tu marches dessus, bah, tu peux potentiellement tomber dans une crevasse. Ça nous est presque arrivé là, juste avant. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Et les autres, je sais pas où ils sont, mais ils sont déjà arrivés loin. Ouais, il n'y arrivera jamais. Il faut qu'on continue, Cyril. Qu'est-ce que tu fais? Accroche-toi. Ah, il devient fou, il perd la tête. Il y a trop d'oxygène. Voilà, ça y est, on voit plus rien, on voit même plus le deuxième groupe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre les traces. Bon, on continue la marche pour le moment. On va suivre le soleil. On voit un petit peu les montagnes qui sont sur la droite, donc au moins ça nous donne un repère. Il faut vraiment qu'on aille vers là-bas. Et puis on verra bien si on les rejoint ou pas. On le saura d'ici une heure ou deux. Je sais pas ce qui se passe de leur côté, j'aimerais bien savoir. Allez, on y va. Là, on va se faire engueuler. Vas-y, siffle un coup. Sont là-bas. Bon bah ce qui devait arriver est arrivé. On s'est perdu, on a perdu les autres. Donc on essaye de les retrouver là, ils sont quelque part là-bas. On suit le soleil, on regarde les collines sur la droite et on est bon hein. Ben oui. Quand il y aura les très grosses crevasses, on fera gaffe. Julien, on n'a pas de corde, faut pas tomber hein. On a de l'expérience maintenant. On a fait notre petit tuto, c'est le moment de l'appliquer. Il y a pas mal de crevasses. Moi, je pense qu'on va se faire engueuler par Mike. Oh, on entend juste ton écho. On est dans la merde. Putain, je me dis, c'est mon écho. Bon, on va descendre tout seul. Hein. De toute façon, les gars. On... Ouh. Les survivants. Eh, on était loin. L'ambulance. C'est bon. Ouh. Eh bien, je crois qu'on y est. Eh oui. Oh là là, on est haut. On peut voir que c'est la fin. Ah. On va longer sur le côté. On va descendre ce dernier glacier. Et direction le bateau. Ça, ça fait plaisir. Pas de mort, pas de blessés pour pas cette mort, première expédition. Un peu les pantalons déchirés et puis d'autres petites griffures. Ouais, des petites bricoles. Des bricoles, mais qui est normal. Bien, merci pour cette expédition. Oh, c'était tip top. À un moment, on s'est perdu, hein. Ouais, ouais. Oh, pas moyen de le retrouver. J'étais trop à droite. Ouais, mais on pensait que tu prendrais à droite parce qu'au milieu, il y a trop de crevasses. Non, 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 mais à droite, là, c'est fracassé. On n'a pas ton œil, on n'a pas ton expertise. Nous, ouais, on est des petits débutants, on s'est perdu dans le glacier. Cette première fois sur un glacier, monsieur Maxime. Tu aurais une petite promenade de week-end, quoi, rien de... Non, mec... Déjà physiquement, est-ce que gros, c'est un paysage jamais vu de ma vie, quoi. Ouais. C'est vraiment lunaire. Mais on se croirait un peu au Pôle Nord aussi. Évidemment, avec le ouais, la banquise, ouais, vite fait, mais... Pouah. Les crevasses, c'est trop impressionnant. Ouais. C'est vraiment des pièges de mort.
Comme ça, tu marches tranquillement, t'es dans tes pensées, d'un coup tu bois. Ah, bon bah, je vais me concentrer un petit peu. Et les crampons, meilleur outil du monde, après la vis à glace. Première fois sur un glacier? Non, non, il me semble que j'en ai déjà fait avant. Mytho. Mais non, en Suisse, il y en a plein. Je me suis rappelé. S'il a déjà fait auparavant, il n'a pas bien fait. Ah, il se fait clasher, allez. Super équipe, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait... dans le groupe, une super dynamique, autant sur l'humour, sur les soutiens, quand les gens ils sont dans les crevasses, quand on est perdu, on respectait bien. Non, incroyable! C'est trop bien! Bon allez, un peu de repos, bien mérité. Messieurs, dames, la vidéo s'arrête ici. J'espère vraiment que cette expérience vous aura plu. N'oubliez pas le petit commentaire et le pouce bleu. Ce n'est pas la fin de l'aventure. Il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur la chaîne de Mike Horn. Allez vous abonner, bombardez de pouces bleus. Un énorme merci à toute son équipe pour cette expérience unique. C'était vraiment incroyable. Et on s'en souviendra pendant longtemps. Une autre vidéo arrivera aussi sur la chaîne d'Antoine, dans un aspect plus contemplatif. Et si vous ne les avez toujours pas vues, il y a la vidéo de Maxime et la vidéo de Julien. Ce sont des contenus vraiment différents, donc allez dans la description et regardez tout ça. Vous ne pouvez pas passer à côté. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.